Salut à tous, c'est Papkik. Donc les gars, on est bien le mardi 8 janvier et comme vous le savez, le mardi souvent on a des mises à jour. Donc là personnellement je suis en session publique tout seul et j'essaye de faire mes ventes. Et avant de faire mes ventes, je suis parti regarder un peu ce qu'on a reçu ou pas. Pour l'instant en véhicule je n'ai strictement rien vu. Donc regardez vite fait à l'arrache. À part une petite promo sur la Easy à l'instant, là on n'a rien reçu. Après tout ce qui est club de motards et tout, je peux pas vous dire pour l'instant puisque je vais seulement commencer. Mais par contre, je vais vous montrer un truc, vous allez halluciner. Attention, c'est pas là. Hein. Mais je regarde juste pour voir les nouveaux véhicules. Mais a priori, on n'a rien reçu en véhicule pour l'instant. Attention, hein, il est que 11h au matin. Par contre les gars, alors là c'est parti. Donc les gars, allez, on rentre dans l'armurerie. Là je voulais faire le plein de munitions et d'armes, pourquoi pas. Hein. Bah munitions plutôt parce que les armes j'ai tout. Par contre, je n'ai pas ça. Voilà les gars. Alors 459 000 l'arme des Rangers de l'espace. Allez hop, bingo. Donc les gars, je sais pas si vous l'avez vu, moi personnellement je ne l'ai pas vu. Là je l'ai vu, je l'achète direct. Et je vais même acheter son frère. Attends. Donc les gars, si vous n'étiez pas au courant, bah allez-y profiter, je vous le dis franchement. Bah profitez, je sais pas du tout ce que ça vaut. Hein. Par contre, ça coûte cher. Hein. Presque 1 million pour les deux. Allez, 800 000 pour les deux. Si je dis pas de conneries, c'est ça. Hein. J'ai pas fait attention en fait. Ouais, je vais les mettre tous les deux en platine. Voilà, maintenant on va les essayer. Donc les gars, comme vous avez pu voir, c'est là, c'est tout ce que je viens de voir sur GTA. Par contre, si il y a des les clubs de motards sont en doublé, sont doublés ou le PDG est doublé, ça je ne suis pas encore au courant. Quand j'ai vu les armes, il fallait bien que je vous les montre. Donc maintenant que je vous les ai montrées, évidemment, il faut les essayer. Oh la vache! D'accord. Oh sa mère. Donc ça c'était le premier. Maintenant on va voir l'autre. Je sais pas où ils l'ont mis. Ah il est là. Non, ça c'est le même. Je regarde où ils l'ont classé. Mais ils l'ont mis où l'autre? Parce que là tu es gros quand même. Ah, peut-être avec les... avec ça? Non. Bah non, en fait, non. Attends, je vais faire vite fait ça. Oh, ça arrache. Hein. Là, je vais appeler Lester vite fait, les gars. Et puis, je vais regarder pour l'autre arme. Et puis, je vous laisse tranquille. Franchement, ouais, ça vaut le coup. Ah, bah, pour ceux qui peuvent. Help you with. Okay, voilà, my friend. I'll take care of the LSPD. Merde. Leave it to me. Bon, attendez. Parce que logiquement, on a reçu deux armes. Wow, putain, ça devient futuriste GTA. Attends, elle est où l'armurerie? Elle est là-bas. Oh ouais, c'est trop cool. Et pourtant je pense que j'ai pris les deux armes. Par contre les gars, j'ai acheté un nouveau casque. Donc le son, s'il n'est pas pareil, il faudra me le dire dans les commentaires pour que je règle tout ça. Merci. Donc j'ai bien acheté les deux armes quand même. Ouais. Les munitions, c'est fait. Et ça c'est quoi alors? Désagator infernal, l'arme des rangers de l'espace. Si vous voulez transformer les petits hommes... Ah mais c'est deux armes différentes. Hein. Et j'ai bien acheté les deux. Donc je sais pas où elle se situe. Je vais regarder encore une fois. Bon, mais en tout cas c'est classe, hein, franchement. Bon ça c'est la première.
Ah, ça c'est la première encore, mais ils l'ont classé où alors? Franchement là je regarde mais je sais pas où ils auraient pu la mettre. Avec les grenades, non. Non. Bah franchement, je sais pas. Où c'est un ensemble. Ah non, il est là. Oh sa mère, c'est parti. Oh ouais. Bon par contre, je vais pas vous le cacher, je préfère honnêtement, je préfère celle-là. Bah genre le genre de minigun en fait. Donc les gars, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'oubliez pas que c'est pas les promos que je vous montre, c'est juste ce que je viens de voir dans le jeu quoi. Donc les gars voilà, sur ce profitez-en, achetez-les. Pour ceux qui peuvent, pour les autres j'en suis désolé les gars, mais 2 fois 400 000 il y a moyen de l'avoir avec les braquages ou les activités que Freeze a posté sur son mur. Donc les gars, sur ce, c'était FabKick sur GTA 5 Online. Je vous souhaite un excellent mardi et peut-être à tout à l'heure pour un nouveau véhicule ou les promos. Sur ce, je vous laisse. Allez, ciao. Donc les gars, c'est toujours moi. Comme vous avez pu voir en début de vidéo, je vous ai montré les armes qu'on a reçues. Et ensuite, je suis parti voir pour mes ventes. Le bunker, je pense qu'il est pu doubler. Par contre les gars, tout ce qui est club de motards, regardez, là je fais ma vente de cocaïne. Je vais faire ma dernière livraison. Et regardez combien on va toucher. Donc les gars, cette semaine, il faut y aller. Hein. Regardez. 862 000. Donc les gars, les ventes de clubs de motards sont doublées cette semaine. Donc les armes valent le coup. Donc voilà, c'était, fallait que je vous le dise. Donc les gars, ceux qui ont les clubs de motards, il faut les faire. Comme ça, vous pourrez vous offrir les armes que je vous ai montrées en début de vidéo. Par contre, j'ai regardé sur Legendary, j'ai regardé sur Warstock. À part la promo sur la Easy, je pense qu'on a strictement rien reçu. Ensuite, les activités, je n'ai pas regardé. Et en PDG, je pense que ça n'a pas changé. Par contre, si ça a changé, profitez-en. Je pense que c'est la semaine où vous devez faire des ventes et des rapprovisionnements pour les débutants et pour ceux qui veulent les armes qu'on vient de recevoir. Donc les gars, là sur ce, je vous laisse vraiment. Je voulais vous montrer que les ventes de clubs de motards étaient bien doublées. Et sur ce, je vous souhaite un excellent mardi après-midi et une bonne journée à vous tous. Allez, ciao !